Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard TV depuis Bombardo Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer deux points sanitaires pour une information. Mais avant nous faire ça, l'équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombardo Police, l'équipe Bombard TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partageons intéressés. Pas oublier abonner avec Bombard TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard TV. Et bien, nous pas perdre de temps, n'a dérouler avec information yo. En ouais. Responsable sanitaire dans la Tibonite Louvin Nagonaï pendant week-end là, yon centre pour faire crise en charge pour monde qui trapé maladie. Directeur sanitaire dans la Tibonite annoncé pour finissement semaine ça, inauguration yon centre sanitaire isolement dans ville. Et nous voulons faire connaître dans Jérémy autorité sanitaire adopter diverses mesures pour accompagner population. Responsable sanitaire a précisé, il a testé deux cas suspects, résultats négatifs. Ces informations, ça va nous porter pour nous, pas perdre de temps, n'a pas commencé à couler. Centre triage à quarantaine, ça qui trouvé à environ 250 mètres dans l'hôpital La Providence Gonaïve, qui est dans la zone Monde Blanc, inauguré pendant le week-end passé. D'après le directeur départemental, ministère de Santé publique et population de la Tibonite, Dr. Marcel Châtelier, centre ça qui est là-dedans 4 salles, l'ouvrir dans l'idée pour recevoir les gens qui présentaient symptômes qui liés à COVID-19 là. Donc point de triage à quarantaine que nous inaugurons. C'est pour nous capables de faire une présélection des cas graves ou moins graves et des cas de COVID-19. Une fois, il a fini consulter les patients qui présentaient dans le centre triage à quarantaine. Personnel soignant qui sous place a connaît si vous devez qu'un bébé concerné en quarantaine ou bien faire retourner la caille. Depuis là, il y a déjà pas un cachet. Nous venons avec les filles là, qui va remplir le tiers pour vous. Et immédiatement que les filles là remplir le tiers pour vous, nous venons détecter ce pas pour nous dire, avoir un espace chez vous. Après dossier. Si c'est un monde qui a une grippe ordinaire normale, nous recevons le docteur, qui est en mesure lui-même pour être capable de voir le patient. Mais si par exemple, nous avons peut-être un suspect de COVID-19, le docteur lui-même a fini de tout donner, il a fini de consulter, il a fini de mettre l'espace derrière là pour être capable de faire un prélèvement. D'après le directeur départemental, ministère de Santé publique et population de la Tibonite là, Youn Katsalio, ses côtés, il y a capable de faire consultation à prélèvement au patient. Donc là, on dit prélèvement, mais c'est là que le docteur lui-même fait consultation pour le patient. Immédiatement que le patient s'allie là, pour que le patient s'allie peut-être suspect de COVID-19, là, mettez le chita sur la chaise là, côté que l'autre médecin. Qui lui-même qui c'est épidémiologique qui a pu faire investigation avec au moins qui a pu faire prélèvement. Il y a une deuxième salle qui est réservée aux patients qui suspectent COVID-19 qui a bien pour passer au moins 48 heures en quarantaine en attendant le résultat prélèvement pour connaître si vous devez voir dans un centre d'isolement, autorité sanitaire prévoit inaugurer dans cette semaine. Exalus Meyer Juna, Onaïve, Télévision nationale d'Haïti. En souci pour gérer la propagation pandémie COVID-19, l'autorité sanitaire de la nation fait bilan de diverses activités réalisées sur le 19 mars pour arriver 14 avril. Dans le comité sous pied, une cellule de crise rencontre à différents acteurs, formation, formateurs, avec responsables de centres de santé, formation pour 211 ASCP, agents santé communautaire polyvalent, pour sensibiliser la population dans une zone qui est bien éclairée. Il y a un centre d'appel, il y a un service ambulance avec des machines, réhabilitation 3 espaces pour faire prise en charge éventuels patients COVID-19. Jérémy Courail à Ansdedo, division sport sensibilisation sur diverses radios communautaires et commerciales, Synchro et porte-parole directeur départemental santé de Dr. Angelo Dibelson, qui fait croire. Il a testé des mondes qui paraissent suspects, qui résultat est négatif. Pendant le montrer, personnel médical, bien paré pour capable faire face avec la question COVID-19. Là, si toutefois, il y a des gens qui sont arrivés touchés dans la question ça. Diverses organisations dans la société civile et ONG ont déjà entamé des activités de sensibilisation dans diverses communes. Tant que dans le arrondissement Ansdelo, il est avec d'autres partenaires déjà sensibilisé la communauté SILA. Jérémy Giral. Guillaume RTNH. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter
dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.